J'ai commencé il y a un peu plus de 45 ans à sculpter le bois et je suis toujours autant passionné. Je viens d'une famille extrêmement pauvre. J'ai dû commencer à travailler dès l'âge de 6 ans, dans la rue. Sans éducation à l'âge de 15 ans, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour un maître sculpteur. Laver son lieu de travail, transporter le bois et toutes les autres tâches qui ne nécessitent pas de formation. J'étais fasciné par sa technique. Il a remarqué que je m'entraînais, après mes heures de travail, à sculpter avec ses outils et commençais à développer une technique qui m'était propre. Il a donc décidé de m'offrir un apprentissage, quelque chose d'impensable il y a 50 ans. J'ai pu gagner mon premier salaire, et cela en faisant une chose qui me passionnait. Je ne me suis jamais arrêté depuis. J'ai ouvert le musée Moka il y a plus de 25 ans. C'est la chose dont je suis le plus fier. J'ai aussi la chance que mes travaux soient inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien de tout cela ne serait arrivé si je n'avais pas aimé chaque seconde de mon parcours et si je ne m'étais pas battu pour en arriver là. Il y a trois valeurs fondamentales qui m'ont permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Celle de la famille, prendre soin de ses proches et les aimer. Je ne serai jamais assez reconnaissant du soutien et du bonheur qu'il crée. Il est également vital d'être fidèle à sa parole. Un homme doit savoir honorer ses engagements pour avoir le respect de ses pairs. Enfin, j'estime qu'il est important de préserver le patrimoine, que les traditions vivent à travers les générations. J'aime transmettre à mes enfants mes connaissances et mon savoir. La vie est plutôt simple. Le plus dur est de s'en rendre compte. Je souhaite beaucoup de bonheur pour les générations suivantes.